Il y a tant de préjugés sur Molenbeek et je trouve que les gens devraient venir d'eux-mêmes, enfin voir d'eux-mêmes pour voir que ce n'est pas vraiment vrai ce que racontent les gens sur les médias. Molenbeek a déjà une mauvaise image et je trouve que c'est dommage et ils devraient venir voir d'eux-mêmes. Un grand merci mademoiselle. De rien. Tu peux encore dire quelque chose ? Dis simplement ce que tu as sur le cœur par rapport à ce soir et qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui ce soir ? Je suis à Molenbeek et... En fait, je suis là pour montrer qu'on n'est pas des terroristes. Et c'est bien qu'il y a tous ces gens ici qui sont venus pour solidarité. Merci, merci, bonne soirée. Donc, nous sommes là ici pour montrer la solidarité avec Molenbeek. Moi, personnellement, j'habite aussi à Molenbeek. Ça fait 15 ans maintenant, depuis que je suis née. Et on est là pour montrer que l'islam, c'est la paix. Que Molenbeek, c'est pas la vie, c'est pas la commune des terroristes. Voilà. Vous êtes là pour quoi aujourd'hui ? Voilà. Salam alaikum. Alors j'ai été l'homme, Cédric. J'ai été l'homme parce que nous sommes les frères de la Belgique et nous les Maghrébins, parce que nous sommes tous les deux à un but, c'est le salam et le salam dans le monde entier. يعني احنا ضد هاد التصرف الهمجي اللي وقع في فرنسا واللي وقع في العالم كامل بأسره. احنا ضد التفرقة وضد الحرب وضد الإرهاب وضد يعني ما يمس بالإنسانية. هذا هو الغرض من هذا المجيء يعني والتضامن مع الضحايا. من هذا المنبر كنقدم يعني التعازي ديالنا لأسر الضحايا اللي مشوا يعني هباء منثورا يعني لا ذنب لهم. هذا هو الغرض اللي عملوا شي فوضى. احنا ما كنبغوا فوضى. الدعوان الله اللي يفتنونا كيبيتونا فيقن الدعوة بهم من الله اللي كيجري في المشاكل والصداع والفوضى الله ربي هو يحكم عليه. هذا اللي غنقول لكم الله ياخذ الحق. شحال انتي عايشه هنايا في مولنبيك الحاجه؟ بنيتي انا ولادي جابوني 13 سنه دابا. تبارك الله. وبدايما كتحس براسك مزيان هنا؟ انا مزيان الله مالك الحمد مزياني. هذه خلقات هنايا هذه. 20 سنه عندنا في مولنبيك. واليوم فرحتي الحاجه ملي جاو من كل مدينه. ايوا عاد كيقولوا مولنبيك ما نعرفش عندها ما احنا دائما مزيانين رمضان نشطحوا ونغنيوا دائما مزيانين كيخلونا نعملوا اللي بغينا بالحق كنضحكوا ونفرحوا ماشي كنقتلوا الناس. احنا باريين من القتيله. شكرا الحمد لله. جو سوي لا بور دير نو او تيروريزم اي بور ان بو ايسيي de parler de l'image négative qui a été véhiculée ces derniers temps sur Molenbeek, une image négative qui ne correspond pas à la réalité que les habitants ressentent ici. Merci beaucoup monsieur. Je vous en prie. Citoyenne belge, bruxelloise, scarbécoise et molenbeekoise, je fais tout ici parce que je trouve que c'est la solidarité la plus élémentaire. Et dire à notre population, à nous, tous ensemble, qu'on est tous les mêmes, qu'on doit vivre heureux, qu'on doit continuer par l'éducation, par le développement, par la lutte contre le chômage, tout ça, les choses élémentaires, les politiques sociales élémentaires, aider les gens à pouvoir vivre en paix, dans la coexistence la plus pacifique possible, la plus ouverte d'esprit possible. Voilà, on est là pour ça. Et que les enfants voient que c'est possible. Qu'on ne leur montre pas que des images de terreur, mais des images de fraternité, de solidarité. Voilà. Un grand merci, madame. Et moi, je viens de plus loin, je viens de Braine-le-Comte, mais j'étais à Bruxelles et j'ai quitté une réunion à laquelle j'étais pour venir ici. La raison est double. Un, c'est effectivement montrer le refus, évidemment, de l'action terroriste, bien sûr, mais de l'autre, pourquoi Molenbeek, c'est aussi refuser la stigmatisation de la population
de Molenbeek. Et par exemple, quand on entend une personne, je ne vais pas le donner de pire qualificatif que ça, qui s'appelle Éric Zemmour, qui raconte dans les bêtises, qui raconte qu'il faudrait plutôt bombarder Molenbeek que effectivement qu'en Syrie. Bon, apparemment, il n'y a pas de limite à la connerie et au risque que nous courons à cet égard. Je suis un Gétois. Voilà, justement. D'emblée, je vais vous le dire carrément, je suis un rouge. Un rouge. Donc, je suis un voisin de Molenbeek. Oui. Et je suis venu aujourd'hui pour qu'on ne tue pas Molenbeek. Parce que hier soir, il y a eu une des descentes à Aix-la-Chapelle. Mais il y a aussi eu des problèmes. Villefort, Malines, Anvers, Beaume et compagnie, dont on ne parle pas. Et ça, je regrette. À moins qu'on veut trouver le bouc émissaire. Un homme qui n'est plus, depuis 3 ans, bourgmestre. Alors, ma question vient simplement, qu'ont fait les libéraux durant ces 3 ans? Rien. Se remplir les poches. Voilà. Merci monsieur. Pardon. Merci monsieur d'être témoin de cette soirée. Votre petit mot. Mais moi je suis là parce que la devise nationale c'est l'union fait la force. Et que les extrémistes, ce qu'ils cherchent à faire, c'est dresser les populations les uns contre les autres. Voilà l'objectif des extrémistes, et c'est pour ça qu'on ne doit pas évidemment rentrer dans leur jeu, et c'est pour ça que face à la violence politique, on doit au contraire opposer la solidarité. On doit être déterminé et solidaire, les deux en même temps. Et c'est la raison pour laquelle je suis là, avec tous ces habitants, pas que de Molenbeek, qui viennent de partout, de Bruxelles, et même de Wallonie, j'ai vu des gens de Wallonie, j'ai vu des gens de Flandre. C'est aujourd'hui la Belgique entière qui se mobilise pour dire non à l'extrémisme, et oui à la solidarité, l'union fait la force, c'est la devise du pays, on doit s'y tenir et même faire en sorte qu'elle devienne notre moteur au quotidien. Merci beaucoup monsieur Laouche. Merci. Vous êtes là pour quoi monsieur? Tout d'abord parce que je suis conseiller communal dans cette municipalité et ensuite pour tenir aussi un discours de paix, de solidarité et comme l'a dit mon prédécesseur là à l'instant, la devise de ce pays c'est l'union fait la force. Donc ne laissons pas les terroristes et les extrémistes gagner. Ce qu'ils cherchent, c'est diviser la population. Ce qu'ils cherchent, c'est d'accroître les tensions et d'exacerber les tensions entre les différentes communautés qui cohabitent ici. Nous sommes déterminés à leur dire que ça ne sert à rien d'essayer. Nous resterons solidaires. En tout cas, au niveau de cette commune à Molenbeek, le message qu'on porte, c'est que vous n'arriverez pas à nous diviser. Voilà. De Paris et voilà, nous sommes là pour aussi montrer notre solidarité et de montrer aussi notre désapprobation sur les attentats. Voilà, donc nous sommes tous réunis ici pour montrer notre solidarité premièrement pour dire nous combattons contre le terrorisme aussi et nous le disions et nous le redisions plusieurs fois et ça n'a rien à voir avec l'islam. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà dit, mais je leur ai dit pour que les gens comprennent que ça n'a aucun rapport avec l'islam et que nous combattrons contre le terrorisme et contre même le problème qu'il y a ici à Molenbeek. Il y a un problème socio-économique, nous combattrons aussi ce problème de socio-économique. Voilà, merci beaucoup. جيت بحال جميع الإخوة المغاربة وبصفتي مولمبيكواز جيت نساند مولمبيك ونعبر بواحد الكلمة بلي أن مولمبيك عمرها ما كانت إرهابية وهذه 40 عام وأنا كنسكن فيها دائما عايشة في تعايش وسلم مع البلجيكيين ومع جميع الجنسيات وجميع الأديان فهاد الكلمة اللي كيقولوا بلي أن خصهم يبومبارديو مولمبيك هذه كلمة يعني واحد الانسان ما كانش خصو يستعملها حنا كنعيطوا للسلم وكنعيطوا للتسامح وكنطلبوا بالحوار وكنطلبوا دو فيفغ انصومبل وكنطلبوا بلا توليرونس وباقي متالمين كلياتنا على القضيه اللي طرات فرنسا على ديك الارهاب اللي طرا فرنسا كامهات حتى حنا يعني هذا الشيء كيالمنا لان حتى امه كتبغي وليداتها يجيوها مرفودين ميتين ولا ماتوا في واحد العمليه ارهابيه فكيفاش هاد الناس اللي كيتسموا بالبوليتيك كيزيدوا الماء او الملحه على الجرح حشومه فهاد الوقت هذا خصنا نكونوا متحدين ومنضمنين وخصنا ما نساوش بلي ان الارهاب ما عنده لا دين ولا وطن الارهاب كاين في سوريا الارهاب كاين في العراق الارهاب كاين في فلسطين في برمانيا في العالم كله
في بلجيكا في هولندا في ما حبيتي. اذا علاش انا اللي ما كنقبلش ولي ما هذه شي؟ علاش العالم الغربي ملي كيوقع الارهاب في البلدان العربيه والاسلاميه كنسميهم الجهاديست يعني المجاهدين، وملي كترى هنايا مع الاسف اوروبا كنسميهم ارهابيين؟ الو خصنا نعرفوا شنو الاسم غادي نطلقوا على هاد الناس، واش غنطلقوا عليهم اسم ارهابيين ولا جهاديست؟ على العموم حنا ضد الارهاب ولا نرضى بالارهاب ولا نقبل الارهاب، كنطلبوا التسامح والتعايش، والسياسه خصها تراجع راسها شويه. لا تيروريست، لا فايسان، 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 لا Yo.